Salut à tous, c'est Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire ma tier list de mes youtubeurs préférés. Donc en premier je vais faire de mes youtubeurs normaux préférés. Et en deuxième de mes youtubeurs qui font du cube préférés. Donc comme ça ça plaît à tout le monde, que ce soit les cubeurs ou les non-cubeurs. Donc aussi dans cette vidéo je vais vous remercier pour les 200 abonnés. Parce que comme vous l'avez vu juste ici, j'ai atteint les 200 abonnés, donc je suis vraiment super content. Donc je vous remercie pour ça, c'est vraiment hyper sympa. Je voulais aussi remercier Nianto qui m'a fait une outro, donc vous pourrez la voir à la fin de la vidéo. Donc du coup on va commencer avec la tier list. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va pouvoir commencer la première tier list. Donc du coup, ceux qui ne savent pas ce qu'est une tier list, donc en fait là on a des images, donc là j'ai les images de certaines chaînes YouTube. Donc là on peut les prendre et les mettre en fait ici selon nos goûts. Donc c'est en fait pour qu'on sache les goûts de la personne. Donc du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là on va commencer avec les chaînes YouTube normales. Donc du coup on va tout de suite commencer. Donc en premier on a Amixem. Donc j'aime bien sa chaîne. Je pense que je pourrais mettre ça dans super parce que il y a des bons concepts, tout ça. Après je regarde pas tout le temps ces vidéos mais elles sont pas mal. Ensuite on a Anas. Alors là vraiment je ne connais pas du tout, j'ai jamais entendu ce nom. En fait j'ai pris les 20 youtubeurs les plus connus de France qui avaient le plus d'abonnés et lui je connais pas du tout, donc je vais mettre dans connais pas. Ensuite on a Brico Sympa. Alors celui-là je connais sympa mais je sais pas si ça a un rapport, mais du coup je connais pas, donc je vais mettre dans connais pas. Ensuite on a Cyril MP4, je mettrai dans cool. Ensuite il y a Bigorneau et Coquillage. Je sais juste que c'est Squeezie et Cyprien qui ont fait une chaîne ensemble, mais en réalité je sais pas trop, mais je vais mettre moyen. Alors là ensuite Cyprien, j'adore ses vidéos, elles sont vraiment super. Je trouve que c'est hyper marrant tout ça, du coup j'aime bien, je vais mettre dans incroyable. Ensuite Fast Good Cuisine, j'aime bien en plus c'est cool le thème de la cuisine, donc j'aime bien, je vais mettre dans super, comme Amixem. Ensuite, on a Hugo Posey, donc je connais un peu. Je mettrais peut-être dans cool, parce que j'aime bien quand même ses vidéos, c'est pas mal. Ensuite, on a Ibra TV, je connais juste deux noms, mais sinon je connais pas ses vidéos. Je vais mettre dans connais pas pour pas mettre que c'est nul, alors en fait, ça se trouve c'est très bien, mais vu que je connais pas, je peux pas trop juger. Ensuite, on a Lama Fâché, j'aime quand même pas mal, c'est assez bien, je vais mettre dans non, super. Ensuite on a McFly et Carlito, donc eux j'aime bien mais je regarde pas trop leurs vidéos, mais je pense que j'aime à moitié, donc je vais mettre moyen. Alors là aussi Michou, j'aime beaucoup ses vidéos, je trouve que des fois il y a des concepts vraiment cool, j'aime beaucoup avec Inoxtag tout ça, j'aime bien leur chaîne, je vais mettre dans super. Ensuite Mister V. Alors là je sais que c'est quelqu'un qui fait des raps. Et j'ai regardé une fois mais j'ai vraiment pas aimé du tout. Je vais mettre dans nul, c'est pas méchant envers lui hein, c'est juste que j'aime pas trop. Donc je mets dans nul, mais voilà. Ensuite Natou, c'est un peu pareil, j'ai regardé mais j'aime vraiment pas. Je vais mettre pareil dans nul. Alors là Norman, c'est vraiment pareil que Cyprien. J'adore ses vidéos, je trouve c'est vraiment hyper drôle et marrant. Enfin, j'adore leurs vidéos, c'est vraiment bien fait. Donc je vais mettre dans incroyable. Ensuite on a Rémi Gaillard. Voilà, je me rappelle même plus de son nom tellement je le connais pas. Donc du coup je connais pas. Logique. Bah ouais. Logique. Ensuite le rire jaune, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc je vais mettre dans super. Que j'aime pas autant que Cyprien et Norman. Mais j'aime quand même pas mal, donc je vais quand même mettre super. Ensuite, Squeezie, j'ai déjà regardé un peu. Je sais que vous allez peut-être vous dire, quand même, c'est le youtubeur qui a le plus d'abonnés en France, mais moi, j'aime pas tant que ça, donc je vais mettre dans le moyen. Je sais que certains vont se dire, comment c'est possible, c'est quand même le gars qui a le plus d'abonnés, mais non, j'aime pas trop. Ensuite, on a Swan et Neo, j'aime bien. Des fois, il y a des trucs bien, mais des fois, j'aime pas trop, je vais mettre dans cool quand même. Et ensuite, on a Thibaut InShape. Donc, j'aime beaucoup sa chaîne aussi, des fois, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Donc, je vais mettre dans super. Donc voilà, j'ai fini la tier list des chaînes YouTube
françaises les plus connues. Donc, je vais vous faire un récapitulatif. Donc, dans ceux que je connais pas, il y a Brico Sympa, Anas, Ibra TV et Rémi Gaillard. Donc, bah, du coup, je les connais pas. Ensuite, dans Nul, bon, c'est pas nul, enfin, si quand même, mais c'est pas pour être méchant envers eux, mais c'est que j'aime pas trop. Donc, voilà. Il y a Mister V et Natou. Ensuite, moyen, ce que j'aime à peu près, mais pas trop trop, Bigorno et Coquillage, McFly et Carlito et Squeezie. Dans Cool, on a Cyril, MP4, Hugo Posey et Swan et Neo. Dans Super, donc là c'est un truc très très bien que j'aime beaucoup, donc il y a Amixem, Fast Good Cuisine, Lama Fâché, Michou, Le Rire Jaune et Thibaut Henchep. Et enfin, au plus haut level de cette tier list, on a Cyprien et Norman que j'aime vraiment beaucoup, surtout qu'ils me font beaucoup marrer. Alors après, je peux pas trop juger parce que ce que je regarde le plus comme vidéo, c'est des vidéos de Rubik's Cube, donc c'est la tier list qu'on va faire juste après. Du coup, je peux pas trop juger, je peux pas juger autant que sur les vidéos de Cube. Donc du coup, bah voilà, là j'ai fini cette tier list. Donc du coup, on va passer à la tier list des Rubik's Cube. Allez, c'est parti! Donc c'est parti, on va pouvoir commencer la tier list des youtubeurs qui font du cube. Donc du coup, j'en ai sélectionné 12. Donc je les ai sélectionnés moi-même, contrairement à la première où j'avais pris les 20 plus connus. Donc du coup, on va commencer le premier avec Cubastic. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les chaînes, forcément, elles iront toutes dans soit cool, super ou incroyable. Parce que bah, dans tous les cas, les chaînes de cube, j'adore. Dans tous les cas, et vu que c'est moi qui les ai sélectionnés, bah forcément que je les connais. Et ce sera pas moyen ni nul, puisque bah, vu que c'est moi qui les ai sélectionnés et que j'ai pris des bonnes chaînes, bah du coup, ce sera soit cool, super ou incroyable. Donc du coup, on va commencer avec Cubastic. Alors Cubastic, je pense que je vais mettre dans super. Il a quand même des bons concepts, tout ça. Après, j'aime beaucoup quand même sa chaîne, mais pas au point d'incroyable. Mais j'aime beaucoup sa chaîne, il a vraiment des bons concepts. Des fois, je trouve. Enfin, des fois, par exemple, il construit des trucs, tout ça, c'est vraiment super. Donc, du coup, bah, on va mettre un super. Ensuite, Cubehead. Donc, cette chaîne, elle a été commencée il y a un an. Il a déjà plus de 40 000 abonnés. Donc, sa chaîne, elle monte vraiment très très vite en abonnés. Donc, ça, c'est vraiment cool pour lui. Mais bon, si il monte autant en abonnés, bah, c'est que sa chaîne est incroyable, donc du coup on va mettre dans incroyable. Donc ensuite on a Cubing Encoded. Donc du coup lui il fait beaucoup de vidéos, c'est vrai, mais je trouve qu'il fait pas des concepts aussi gros comme Cubastic. Et du coup je vais mettre dans cool, même si sa chaîne elle reste très bien hein. Sa chaîne elle est super cool hein, ça c'est sûr hein. Il a plus de 100 000 abonnés, bravo à lui, mais du coup je vais mettre dans cool. Ensuite on a Felix Zendex. Alors lui je pense que je vais mettre dans cool parce que bah, en fait il est très fort au cube, c'est l'un des meilleurs cubeurs au monde. Après ça à chacun de définir qui pense est le meilleur cubeur. Mais moi je pense que je vais mettre dans cool parce que en fait ses vidéos c'est plus des vidéos de solve. Et il est plus cubeur que youtubeur, il a beau avoir beaucoup d'abonnés, c'est surtout parce qu'il est fort et pas parce qu'il a pas parce qu'il fait des très bonnes vidéos. Donc du coup je vais le mettre dans cool. Ensuite on a Greg Speed Cubing. Alors je vais le mettre dans incroyable parce que j'adore sa chaîne et en plus c'est une chaîne française et la plupart des super chaînes de cube sont américaines. Du coup c'est quand même cool d'avoir une chaîne française aussi bien. Du coup je vais le mettre dans incroyable. Ensuite on a JPerm. Alors cette chaîne, elle est incroyable, il a 400 000 abonnés, un truc par là. Donc j'adore sa chaîne, il fait des trucs vraiment super cool, donc je vais mettre dans incroyable. Ensuite, on a JR Cuber. Du coup, lui, il fait beaucoup d'unboxing, tout ça. J'aime bien les unboxing, donc je vais mettre dans super. Ensuite, on a TC Cubes. Alors, du coup, je connaissais pas cette chaîne, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, alors que... elle a quand même beaucoup d'abonnés, mais j'ai découvert qu'elle a vraiment des vidéos de très bonne qualité, je trouve, c'est vraiment cool. Donc du coup, je vais mettre dans super. Ensuite, The Simon Chi. Alors pareil, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je vais mettre dans incroyable parce qu'il a des records du monde vraiment incroyables, je trouve.
Enfin, par exemple, le record du monde de l'Examinx. Donc, l'Examinx, c'est un Megaminx, mais fois, je crois, 10 ou 12, un truc comme ça. C'est vraiment énorme. C'est un cube hyper long à faire. Et lui, il l'a fait en vidéo. Et puis, il a aussi résolu un 17x17 sous l'eau. Donc, c'est vraiment hyper difficile. Hein, voilà. Donc, du coup, je vais mettre sa chaîne dans Incroyable. Ensuite, The Cubicle. Donc, du coup, c'est une assez bonne chaîne, mais... je vais mettre dans cool. Ensuite, Thingman. Alors, j'aime beaucoup sa chaîne aussi. C'est une bonne chaîne. Il y a pas mal de qualité, je trouve. Il fait des bons concepts aussi. Donc, je vais mettre dans super. Et donc, pour finir, Z3 Cubing. Il n'y a pas de débat hein, pour Z3 Cubing. Je vais directement le mettre dans incroyable. Alors, pourquoi tout simplement parce qu'il fait vraiment des vidéos super. Et je trouve qu'il est vraiment très dévoué pour sa chaîne parce que... des fois, il doit passer vraiment beaucoup de temps parce que des fois, il y a des vidéos à tourner, ça doit lui prendre au moins 10 heures, vraiment. Ça doit être hyper long, donc je le mets dans incroyable. Et du coup, vu que ça, le tournage est très long, les vidéos sont hyper bien et de très bonne qualité. Donc voilà, j'ai fini la tier list des chaînes de Cube. Donc je vais faire le récapitulatif. Donc dans les chaînes cool, j'ai mis Cubing, Encoded, Felix Zendex et The Cubicle. Ensuite, dans Super, j'ai mis Cubastic, JR Cura, TC Cubes et Thingman. Et dans Incroyable, j'ai mis Z3 Cubing, Cubehead, Grexpeed Cubing, JPM et The Simochi. Donc voilà, les meilleures chaînes que je préfère dans ces 12, ce sont donc Z3 Cubing, Cubehead, Grexpeed Cubing, JPM et The Simochi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc du coup, on se laisse avec la fin de la vidéo. Donc voilà, la vidéo maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Donc je voulais encore vous remercier pour les 200 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc maintenant, je compte sur vous pour atteindre les 250. Ce serait vraiment super, ce serait énorme. Je serais vraiment hyper content. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, salut !